yogurt. All of the crops are in, and that's in line with 5-year average for the... Paul Conley, that's everything for you. There you go. Thank you. Good morning, Gralberg. You're listening to CFRG 93.1 FM, the voice of the prairie. Vous écoutez CFRG 93.1 FM, la voix des prairies. Today it's a bit chilly outside, c'est un peu froid à l'extérieur. Si vous avez mis le pied dehors, le nez à l'extérieur plutôt, vous avez vu que vous aviez beaucoup de... Bonjour, madame. Bonjour. Oh, juste une café. Merci. 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 Have a bonne journée. Oui, toi et tout. En arrivant de l'ouest ou de l'est, c'est de voir un village avec une église qui est très haute, un couvent en architecture européenne et des signes bilingues, entendre le français sur la rue. Le drapeau françaisquois et les signes visibles de francophonie dans la prairie. L'idée, c'est que ça fait longtemps qu'on est dans l'Ouest. Hein, quand j'ai venu, je veux dire, quand mes grands-parents sont venus, il y avait des connexions avec la parenté dans l'Est. Mais là, ça, c'est pas mal perdu. Et puis, on se considère comme tout l'autre monde ici, dans l'Ouest. On est vraiment des Westerners. Mais si vous voulez vous réchauffer, ça va être encore possible de le faire ce week-end, ce vendredi et samedi, pour le tournoi provincial de volleyball chez les hommes 2A. So, volleyball provincials for volleyball provincials 2A boys this weekend, Friday and Saturday. Don't miss it. Our team, Collège Mathieu and Kincaid, is going to be there at 1 p.m. on Friday. Je pense que la première fois que je suis venu à Gravelbourg et que j'ai ressenti que la population vivait vraiment avec le français et l'anglais. C'est très important de garder les deux langues. Comme un golfeur, faut-tu regarder la balle? See you, see yourself hitting the ball. And when you hit the ball, then you can look to see where it's going. Nice. Alors, sois conscient de ça. Yeah. Fais sûr que si la balle est trop loin, c'est juste un point. Let it go. Elle reste vibrante avec l'effort des francophones aujourd'hui. Sans cet effort-là, personne voudrait parler le français. There it is. Les défis, c'est toujours l'assimilation qui rentre en jeu. Il s'agit d'y croire et vouloir garder notre culture parce que si on ne l'encourage pas, si on ne les fait pas vivre, la langue, la culture, on va la perdre. La langue française reste vivante parce qu'il y a des gens qui y tiennent, parce qu'on a travaillé pour garder un système scolaire francophone, aussi bien qu'un système d'immersion en français et un système d'éducation en anglais. Pourquoi est-ce qu'on apprend le français? OK, Ben, qu'est-ce qu'on apprend en français? Parce que si on ne sait pas le français, on ne peut pas lire en français, si tu as un mot en français pour maman ou papa. Tu ne peux pas lire si tu ne sais pas le français. OK, alors c'est pour lire en français. La chose la plus importante, la chose que j'aime le plus avec les plus jeunes, c'est quand les parents viennent me voir puis disent « Mon enfant a rêvé en français hier soir ». Et pour moi, ça, c'est une grosse célébration parce que j'ai fait ma job. Ils peuvent communiquer clairement dans leur deuxième langue. Oh oui, répond Jacob. Mais qu'est-ce que je trouve de beau? Je connais des couples qui sont complètement anglais. Ils veulent que les enfants apprennent le français. Ça, je m'imagine que c'est une manière de garder la langue à Gravelbourg. Est-ce qu'on est vendredi? Oui! Là, il faut compter pour voir c'est quoi? Tous ensemble! 1, 2, 3, 4, 5, 6,
si on leur met dans l'idée dans l'oreille et qu'on le garde là, que c'est bien de parler en français, qu'on est capable de parler en français, que c'est intéressant et que c'est spécial d'être capable d'avoir les deux langues, d'être bilingue, je pense que ça sera là toujours. Le plus gros défi, c'est que les personnes ne soient pas gênées de le parler, de l'utiliser. Moi, ma première langue, c'est le français. Puis si je peux parler à n'importe qui peut parler en français en premier. C'est ça qui sort en premier. Moi, je vois que ça va survivre. Je crois qu'on a assez de personnes dans notre communauté qui y croient, malgré le fait qu'on est dans une situation très minoritaire. Alors, je crois beaucoup dans notre communauté. De temps en temps que nous aurons des Françaisquois, des Françaisquoises qui se tiennent debout puis qui veulent avoir une chance de vivre en français. Je pense que c'est ça qui va garantir l'avenir en français à Gravelbourg. Thank you.